Coucou les Capricornes, bienvenue sur ma chaîne. On continue le tirage astro, vous êtes le dernier signe à être sorti. Les Capricornes, signe ascendant lunaire solaire. On va aller voir ce que ce mois d'octobre vous réserve. Pour ce faire, on va prendre l'oracle des fées de Dorine Virtu. On va aller voir quel est le message des fées. Déjà, on va commencer tranquillou par les fées. Ensuite, on ira voir l'ange qui vous suit. Et ensuite, on ira voir les tarots, les oracles, gratter un petit peu tout ça. Voilà. J'espère que tout le monde va bien. On est parti pour le mois d'octobre pour les Capricornes, signe ascendant lunaire solaire. Quels sont les messages des fées pour vous, les Capricornes? Est-ce que je pourrais avoir des messages à tous mes êtres de lumière? Oula. J'en ai trop et je ne vais pas toutes les interpréter parce que j'en ai 15 000. Quels sont les messages des fées pour vous, les Capricornes, signe ascendant lunaire solaire, pour ce mois d'octobre? Prends là, on me dit, partez. Les Capricornes, on vous conseille de partir. Quittez cette situation malsaine et profitez des nouvelles portes qui s'ouvrent ainsi à vous. Bon, alors je ne sais pas si vous vouliez quitter une situation, s'il y a une situation à quitter, s'il y a une situation qui vous pèse. En tout cas, les fées, elles vous disent qu'il est temps de vous barrer là. Voilà, une situation, les Capricornes, qui ne vous correspond plus, on vous dit de vous barrer. Voilà, comme ça, c'est fait, c'est bagué. Affirmation, pour stimuler vos pensées et vos énergies et pour obtenir ce que vous désirez, ayez recours aux affirmations positives. On vous conseille d'être un petit peu plus dans le positif aussi. Voilà, quels sont les messages des fées pour vous? Bon, ben on va voir si on a l'ange du nouveau départ qui arrive à vous. Les Capricornes, quel est l'ange qui vous suit pour ce mois-ci? L'ange de l'ancrage. Ancrez-vous. On vous conseille de vous ancrer à la Terre. On vous conseille de vous ancrer à Gaïa. J'ai l'impression qu'il y a des choses qui vont bousculer, là, les Capricornes, ce mois-ci. Va y avoir de la bousculade dans l'air pour vous. Les choses, elles vont... Ça va bouger, les Capricornes. Ok. Donc, ancrez-vous. Il faut être bien stable. Il faut être... On est plus stable dans ses dons aussi. L'ange de l'encouragement. Bon, vous êtes vivement encouragé à vous barrer d'une situation qui ne vous correspond plus. Voilà, comme ça c'est clair, c'est net et c'est dit. Bon, on va aller voir les Capricornes pour vous. Quels sont les messages des guides pour ce mois d'octobre 2021? Là, je les coupe bien parce qu'avec les tirages astro. Voilà, on pourra pas dire que c'est pas mélangé là. Alors, sur les Capricornes, signe ascendant lunaire solaire pour le mois d'octobre. Alors vous, il faut vraiment que vous vous barriez d'une situation qui ne va pas. Vous avez le 6 d'épée. On part. 6 d'épée, on se casse. Au mois d'octobre, les Capricornes, vous vous barrez. Non, mais je suis désolée, mais parce que je veux dire, on a trois cartes. Sur les trois cartes, il y en a deux qui disent la même chose et une au milieu qui dit « ancrez-vous » parce que ça va bouger, en fait. Voilà. Bon, vous partez d'une situation qui ne vous correspond plus. Une façon de réfléchir, une relation avec une personne, un travail, un déménagement physique, peu importe, voilà, des relations avec, avec des amis ou autres, en tout cas, on part, voilà, là c'est le fait de quitter, on va quitter une façon de penser, une entreprise, un couple, peu importe. Alors, soit pour aller vers une reine de bâton, soit vous êtes dans l'énergie de cette reine de bâton, vous êtes intuitif, vous êtes charismatique, vous êtes ancré, vous savez ce que vous désirez, comment vous le désirez, vous regardez vers le futur. Voilà, vous quittez une situation du passé, vous vous barrez vers votre avenir et vous regardez vers le futur. Voilà, on y va, on est clair. Parce que vous savez ce que vous désirez, comment vous désirez, et vous êtes ancré. J'ai l'impression que le fait de quitter une situation qui ne vous correspond pas, ça va être beaucoup plus léger pour vous derrière les Capricornes. Il y a comme un espèce de... Mais en attendant, c'est compliqué. Ah, on a quand même un 8 d'épée, des schémas de pensée bloquants. Peur de ne pas y arriver, peur de pas... voilà, si vous voulez, vous vous bloquez tout seul dans votre mental, là.
Ah, vous savez ce que vous désirez, vous savez où vous allez, vous êtes charismatique. La reine d'épée, elle rigole pas, elle sait où elle va, elle est charismatique, elle regarde vers le futur, elle sait ce qu'elle désire, elle tient son bâton dans la main comme ça et elle sait où elle va. Elle a deux lions dans ses piliers, deux lions au-dessus, c'est la force du lion, c'est l'ancrage du lion, c'est le cra comme ça. Elle est intuitive et elle avance avec une énergie de feu. Mais à côté de ça, vous savez que vous devez quitter une situation, mais il y a quand même des schémas de pensée bloquants. Des peurs, peur de ne pas y arriver, peur de... Voilà, c'est-à-dire que votre mental va vous mettre dans la peur alors qu'en fait, il n'y a rien. J'ai vraiment l'impression qu'il n'y a juste rien. Vous devez vous barrer d'une situation, barrez-vous en fait, et écoutez vos intuitions et vous verrez que ça ira bien mieux, quoi. Mais il y a quand même ce 8 de coupe qui vient au milieu. Ah, voilà. Et pourtant, voilà, vous n'arrivez pas à prendre une décision. Putain, c'est dommage, vous êtes vachement dans les épées, les Capricornes, là. Voilà. Clairement, hein, on vous dit de partir d'une situation. On vous dit de partir d'une situation. On vous dit d'écouter vos désirs, d'écouter votre feu intérieur. Où vous guide votre feu intérieur? Où vous voulez aller? Et là, on a ce 8 d'épée qui vous bloque. Vous vous bloquez tout seul dans le mental et du coup, vous n'arrivez pas à prendre une décision. Vous n'arrivez pas à écouter vos intuitions. Vous n'arrivez pas à trancher dans une situation. Alors, vous ne prenez pas de décision. Vous bougez, vous restez comme ça, on est assez... Et pourtant, il y a quelque chose. Il y a un nouveau départ au niveau matériel. Vous pouvez matérialiser quelque chose d'autre. Vous pouvez matérialiser de la passion. Vous pouvez être fidèle à vous-même, intègre, aller vers la réussite. Pour ça, il faut trancher dans une situation. On va quand même aller prendre des tarots encore pour vous parce que là, je fais deux lignes de tarot dans ces cas-là parce que c'est quand même fou d'être autant dans le mental, quoi. Et en plus, vous savez que vous devez bouger et puis bah, vous ne bougez pas au niveau du mental, là. Vous restez en mode endormi comme ça, là. Mais qu'est-ce que vous nous faites, là, les Capricornes? Ça ne va pas du tout, là. Alors, c'est quoi la résultante de tout ça, là? Parce que moi, je ne veux pas aller détailler tout ça. Je veux savoir, là, sur le mois d'octobre, là, est-ce qu'on part de cette situation ou pas, là? De quelle situation? Est-ce qu'on peut me compléter? Non, j'en veux qu'une, s'il vous plaît. Faut pas déconner, là. On va pas en tirer 15 non plus, quoi. Ouais, je suis curieuse, hein. Alors, sur le 6 d'épée, là, est-ce que je pourrais avoir des compléments avec les tarots? Non. Vous me les faites sauter, c'est quoi? Mais c'est quoi ces manières là, les guides là? Faites-moi sauter une carte comme d'habitude, vous savez comment je fonctionne, quoi. Ah bah voilà, merci. Ah bah voilà. Alors c'est bien parce qu'elle tombe à l'envers et je vais quand même l'interpréter à l'envers. On va dire qu'on va être optimiste. Là, vous avez des conflits au niveau de là, quelque chose qui vous prend la tête, les Capricornes, qui vous fatigue, qui vous met dans le conflit, qui vous blesse même, hein, qui vous blesse même à l'intérieur peut-être de votre corps, de votre être. Vous avez peut-être des maux physiques tellement vous êtes mal dans une situation. Hein. Il y a quelque chose. Et là, ça s'arrête. Ça s'arrête parce que bah, vous vous barrez. Bon, donc le 5 d'épée tombe à l'envers. Sur cette reine de coupe là, ah, on hésite. Vous êtes dans l'illusion, vous avez peur de vous tromper, de ne pas faire le bon choix, soit par rapport à une reine de coupe, une femme charismatique qui avance dans une énergie de feu, qui sait où elle va, soit parce que vous savez ce que vous voulez, mais il y a cette notion quand même de ne pas savoir choisir au niveau émotionnel, quoi. Vous n'êtes encore pas bien stable au niveau émotionnel, hein. Il y a quand même encore des problèmes de... Vous avez peur de vous tromper, peut-être. Hein. Vous avez peur de vous tromper en partant. J'ai pas l'impression que c'est en partant. Peut-être en sachant pas où vous allez déménager, en sachant pas où vous allez travailler, en sachant pas avec qui vous allez être. Voilà, il y a des doutes sur tout ça, en fait. Comment ça va se mettre en place? Vous voyez, c'est compliqué. Il y a beaucoup de choses dans votre tête. Justement, sur ce 8 d'épée, là. Alors, me ressortez pas un 8 d'épée, là. Enfin, 6, oh là là. Le 5 de pentacle. Ouais. Alors, c'est peut-être la question financière qui vous fait peur. C'est, ouais. Il y a une histoire de perte, de manque. Alors, soit perdre quelque chose, une famille, des enfants, un travail, une assise, des biens matériels ou quoi. Il y a une notion de perte d'argent aussi qui vous fait peur. Il y a une notion de manque, manque de personnes, manque de temps, manque de... Vous voyez que c'est ça qui vous bloque en fait. Vous avez peur de ne pas réussir à débloquer et à ouvrir cette porte. Alors vous avez la clé entre vos mains. Hein. Vous avez toutes les cartes entre vos mains. Hein. Peur de vous tromper. Il faut prendre confiance en vous, un peu les Capricornes. Hein. Alors sur ce 2 d'épée là, qu'est-ce qu'on me dit? Ah, 6 de pentacle.
on vous dit qu'il faut que vous arriviez à être équilibré. On vous conseille pour prendre la bonne décision, si vous n'arrivez pas à prendre une décision au niveau de votre mental, de réfléchir à la notion du 6 de Pentacle. Est-ce que je reçois autant que ce que je donne ? Voilà. Dans mon travail, dans ma famille, dans mes amis, dans peu importe. Est-ce que je reçois autant que ce que je donne ? Est-ce que ma vie est équilibrée ? Est-ce que ça me nourrit ? Est-ce que c'est équilibré ? Et ça va vous aider à bouger au niveau du mental, à ne pas être endormi. Voilà, parce que vous avez des décisions à prendre. Ah, et ben c'est parfait. On a la reine d'épée. Donc, vous allez quand même, les Capricornes, il a quand même fallu que je prenne deux fois les tarots, donc ça va être long, hein, voilà, mais vous allez y arriver à trancher dans une situation en écoutant vos intuitions. Il y a quelque chose qui n'est pas bon pour vous, les Capricornes, et vous le savez, voilà. Mais vous avez beaucoup de peur, de doute, de questionnement. J'ai l'impression que c'est compliqué, quoi. Là, il y a beaucoup de choses. Et peur de se tromper, on ne sait pas comment faire, mais en même temps, on n'en peut plus de cette situation. Vous voyez, ce lourd fardeau. Vous posez ce lourd fardeau et les choses bougent, les choses avancent. Vous allez vous rééquilibrer pour matérialiser quelque chose de nouveau, d'accord ? Pour ce faire, vous allez écouter vos intuitions et trancher dans une situation. Et pour moi, vous tranchez, vous quittez quelque chose qui ne vous correspond plus, qui ne vibre plus, qui ne va plus pour vous. Parce que vous savez, et votre âme sait, que ce n'est pas bénéfique pour vous. Alors, clairement, c'est ça. Hein. Je veux dire, ok. Bon, sur le 6 d'épée et le 5 d'épée à l'envers, on vous dit que c'est une bénédiction de partir. Vous devez partir d'une situation qui ne vous correspond plus, ou alors déménager, voilà. Vous remettre à la première position, parce qu'on a le A de l'alpha aussi. Sur cette reine de coupe et le 7 de coupe, l'illusion. Ah! On vous dit que vous devriez vous reconnecter à votre cœur, écouter votre cœur. Pour certains, vous avez une reine de coupe autour de vous. Une femme charismatique. Pour certains, je sens une triangulaire. Il faut partir d'un mariage, je vais vous le dire clairement. Hein, voilà, je vous dis ce que je ressens. Il y a une reine de coupe en face de vous. Une femme qui est charismatique, qui avance avec une énergie de feu, qui sait où elle va, qui sait ce qu'elle désire. Voilà, elle rigole pas, la reine de coupe. Mais vous, vous avez peur de vous tromper. Et pourtant, on vous confirme. On vous dit que c'est l'amour, cette personne. D'accord ? On vous dit que cette personne est alignée à votre cœur. On vous conseille aussi d'écouter votre cœur. Pour d'autres, c'est vous qui êtes dans ces énergies-là. Vous savez où vous voulez, comment vous voulez y aller, mais vous hésitez. Parce que vous n'avez pas confiance en vous, en votre cœur et surtout en votre âme. Il faut vous reconnecter à votre âme. Qu'est-ce que vous voulez, comment vous voulez, où vous voulez y aller ? Le temps. Bah, ça va prendre du temps. Voilà. Ou alors, vous avez peur de ne pas avoir de temps. Voilà. Il y a une notion de perte de temps. Il y a une notion d'avoir perdu du temps, peut-être. Il y a une notion de ne pas avoir assez de temps. Vous voyez, le temps va vous aider aussi à nettoyer tout ce mental, en fait. Prendre le temps. J'entends prendre le temps. Vous avez peut-être déjà bien assez pris le temps. Hein. Regardez. Vous allez vers le delta. Vous allez y voir clair dans une situation si vous vous posez les bonnes questions et si vous sortez un petit peu d'un mental et si vous tranchez avec une situation qui ne vous correspond plus. Après, tout va s'éclairer. Vous allez aller vers plus d'intuition, plus de légèreté, voyez, pour un homme, pour une polarité masculine, ou vous reconnecter aussi avec votre polarité masculine, rééquilibrer cette polarité masculine. Voyez, on a les masques, les illusions, vous étiez dans l'illusion dans une situation, vous allez remettre de la communication, de la fluidité. Derrière, ça me parle d'engagement, de fusion, de mariage. Pour moi, avec la bonne personne. On n'est pas obligé de se marier, hein, mais vous avez compris, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire, justement, sur la bénédiction, sur... C'est déjà pas mal, on vous dit que c'est une bénédiction. Là, il manquerait plus qu'il me sorte de la séparation. Bah oui, parce que vous allez vers quelque chose de nouveau. Vous allez vers un nouveau projet, quelque chose de nouveau. Ça peut me parler de faire un enfant, vous voyez ce que je veux dire. Mais là, c'est plutôt vraiment la naissance de quelque chose de nouveau, une nouvelle route, un nouveau projet. Vous voyez, les choses changent, les choses avancent si vous écoutez votre cœur et si vous reconnectez à votre passion, à ce qui vous passionne, ce qui vous fait vibrer. Pour certains, ça va être à une énergie de reine de bâton qui vous correspond, qui est autour de vous. Avec le temps, vous allez comprendre que vous pouvez matérialiser tout ce que vous voulez avec le miroir magique. Vous pouvez avoir la chance, le nouveau départ, les intuitions à partir du moment où vous travaillez dans l'énergie, dans la loi de l'attraction. Mais là, vous êtes beaucoup dans le mental. J'ai l'impression que vous n'êtes pas trop dans les énergies. Et pourtant, c'est en travaillant dans la loi de l'attraction, tout part de nous. Si on se libère, si on se sent capable, si on sait que si on ne s'inquiète pas, tout va bien. Regardez-moi, je perds mon travail, je vais peut-être perdre mon appart, tout. Je me dis, oh, mais c'est OK. OK, tout est juste, vous inquiétez pas, tout va bien se passer.
Et parce que je le sais au fond de moi que de toute façon, il fallait que je quitte ça, je vais vers autre chose. Enfin, ça ne m'inquiète pas le moins du monde, voyez. Et je mets de la confiance et je mets des opportunités, je demande des opportunités, je lâche prise et vous verrez que tout se passera bien en fait. C'est vraiment la loi de l'attraction, ça fonctionne comme ça. Vous pouvez créer tout ce que vous voulez, vous avez toutes les cartes en main, de réaliser absolument tout ce que vous voulez. C'est la plus belle carte de cet oracle, le miroir magique. Vous pouvez vibrer et obtenir tout ce que vous voulez. Les choses changent pour ça. Donc, c'est la chance, c'est le nouveau projet, c'est les enfants, c'est l'abondance. Pour ce faire, vous êtes à un carrefour. Et là, j'ai l'impression qu'à la fin du mois, vous faites un choix. Et pour moi, vous faites le choix de trancher avec une situation qui ne vous correspond plus. Mais alors, tout ce mois, ça va être en dents de scie. Vous allez être dans le doute, dans le mental. Vous savez que vous êtes parti en situation, mais en même temps, vous hésitez, vous ne savez pas. En même temps, il faut prendre une décision, mais vous n'y arrivez pas. En même temps, vous posez la question, oui, mais là, ce n'est pas équilibré. Oui, mais je sais que ce sera mieux pour moi. Je vais aller vers quelque chose de différent. Oui, mais du coup, il faut que je prenne le temps. Je ne peux pas le faire tout de suite. Oui, mais du coup, ça va mettre du temps. Oui, mais en même temps, ça peut mettre beaucoup moins de temps. Si moi, je décide que ça mette moins de temps, bon, tac, paf, et les choses changent et les choses avancent. Et après, vous faites le choix et vous prenez votre décision. Vous voyez, il y a un retour. Il y a des retours qui peuvent être possibles. Alors, ça peut être des retours d'une personne de votre ex, hein, par exemple, ou d'une personne avec qui ça a été cassé, brisé. Voilà, un regain d'énergie aussi. En tout cas, c'est des retours en général positifs. Peut-être on va essayer de vous mettre dans la culpabilité par rapport à une famille. On vous dit que vous avez la chance, vous avez beaucoup d'intuition et vous saurez garder vos énergies pour vous. Vous voyez, rester dans un haut niveau énergétique. Ok. Bon, ben, les Capricornes, on finit par vous et ça dépote, hein, les chats. Quels sont les conseils pour vous, les Capricornes, pour ce mois d'octobre? Dansez. On vous parle de haute fréquence, on vous parle de danser, on vous parle de vous émanciper, on vous parle d'aller vers des énergies plus hautes, vers de la créativité, quelque chose de beaucoup plus créatif pour vous. L'âge de lumière, vous travaillez avec la lumière depuis la nuit des temps. Il est temps que les choses changent, que vous vous reconnectiez à vos intuitions. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose au fond de vous, vous sentez qu'il faut que vous quittiez une situation, qu'il y a quelque chose qui ne vous correspond plus, que vous allez vers quelque chose de mieux. Mais vous n'arrivez encore pas à changer, les Capricornes. Mais vous allez y arriver ce mois-ci. Il y a quelque chose qui va changer, il y a quelque chose qui va bouger. Ça va vous éveiller, ça va vous reconnecter un petit peu au spirituel parce que là, vous n'étiez pas du tout vous, pas du tout dans le spirituel. Il y a une situation qui vous paralysait, qui vous bloquait, qui n'était pas du tout productive pour vous. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Couper les liens, modèle ancestraux, guérison, réécrire le futur. Vous avez besoin de couper des liens du passé pour pouvoir aller matérialiser tout ce que vous voulez. Couper peut-être des liens karmiques, des liens toxiques avec une personne. Avec une personne, avec des personnes, avec des situations, peut-être de la famille, un entourage. En tout cas, il y a quelque chose de karmique qu'on a besoin de couper, qu'on a besoin de s'en libérer. Et là, on a encore une fois le miroir. Il y a beaucoup de miroirs pour vous. Qui ou quoi vous fait réagir? Qu'est-ce qui vous fait réagir? Qu'est-ce que vous devriez couper? Encore une fois, on vous conseille d'être dans l'ancrage, de vous ancrer à la terre. Donc vraiment, faites des méditations d'ancrage. Pour vous, c'est très important, les Capricornes, je pense, ce mois-ci. Empathes, hypersensibles, connectez-vous à la nature. Vous avez besoin d'un retour à la nature. Qu'est-ce que sont les messages de votre âme pour vous? Qu'est-ce que votre âme a à vous dire, à tous les êtres de lumière? Votre âme vous demande de donner. Tu donnes beaucoup trop aux autres. Aujourd'hui, non. De ne pas donner. On vous dit que vous donnez trop aux autres. Aujourd'hui, la priorité, c'est toi, tes besoins, tes envies. Donne-toi tout ce que tu attends de l'autre. Tu es le seul maître de ton bonheur. Et on vous dit que ce bonheur et cet équilibre commencent par vous. Et que si vous voulez de l'amour, par exemple, commencez par vous en donner. Si vous voulez de l'argent, commencez par vous en donner. Si vous voulez de la créativité, commencez par vous en donner. Voilà. On va prendre une autre carte. Alors, le but. Gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Gardez dans la tête le but final. Quel est votre but final? Le but final, c'est de vous libérer d'une situation qui est toxique, qui ne vibre plus. Vous êtes en train d'apprendre beaucoup au niveau de votre vie et au niveau de votre façon de réagir. Il y a des gros apprentissages à arriver. Et il est temps que vous arrêtiez un petit peu de donner sans recevoir. Là, j'ai l'impression que vous allez aller vers une situation où ça va être beaucoup plus équilibré. Il va y avoir des retours positifs, mais des retours avec le yin et le yang. Positif, d'équilibre. Ne perdez pas le but que vous avez à l'esprit et écoutez bien vos intuitions. Dans quelles énergies vous devriez être pour traverser ce mois, pour vous aider à traverser ce mois? Et là, vous me sortez l'as de coupe.
Donc il y a bien une histoire d'amour qui se dessine. L'as de coupe, c'est le renouveau au niveau amour, au niveau sentimental. J'ai d'ailleurs hâte de faire vos tirages sentimentaux. Du coup, c'est aussi un 1, c'est aussi un nouveau départ, quelque chose de nouveau qui se dessine. Et ça part au niveau du cœur, vous voyez, parce que là, c'est vraiment une reconnexion à l'âme, au cœur, et quelque chose qui ne vibre plus du tout pour vous, les Capricornes. Il faut vous en libérer et aller vraiment vers l'âme et le cœur. Voilà, mes petits loulous, je vous fais des gros bisous. J'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. Les likes et les partages, les abonnements, c'est gratuit. Les likes et les partages, c'est hyper important, surtout les likes. Les commentaires, pour moi, c'est important. J'aime bien avoir vos retours. Puis ça nous permet d'augmenter dans le référencement, etc. Je vous embrasse fort. Ciao, ciao.